Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui en ce samedi 14 septembre? Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être pas loin de 17h30, je pense. J'ouvre maintenant le vlog car j'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'ai couru partout. Désolée pour la luminosité. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, nous sommes samedi déjà. Le week-end commence, mais déjà quand même, fin de semaine, ça va très très vite une semaine. Hein. Mais on en profite aujourd'hui parce qu'il y a un soleil d'enfer. Il fait pas très chaud, mais il fait pas très froid. Il fait 19 degrés, donc franchement c'est très bien. C'est mieux que la pluie, largement. Hein. Donc franchement aujourd'hui, on ne se plaint pas parce que on en profite. Voilà, que toute la semaine, on part le matin, il fait noir. Là, on rentre le soir, il fait presque noir. Les journées passent assez vite. Du coup, le samedi, on en profite un petit peu. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi et Eric, on s'est baladé. Je vous explique. Alors, j'ai été me balader hier déjà avec les enfants, c'est-à-dire avec Julie et Vincent. On a été faire les courses, comme vous avez vu le retour de course. Et on a été dans des actions. Je dis bien dans des actions. Pour trouver des nouveautés. Et oui, les nouveautés, c'est terrible chez Action. Quand on les veut et qu'on ne les trouve pas, on en fait plusieurs. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé hier. Et d'autres journées aussi. Hein. J'ai été dans des actions. Voilà. D'ailleurs, on y est retourné aujourd'hui avec Eric. Enfin, Eric déjà voulait y aller parce qu'il nous fallait des ampoules. Pour justement notre salle à manger sur nos lustres, parce que je trouve que la lumière est jaune. Donc, ça ne me plaît pas. Donc, on voulait des ampoules blanches, quoi, enfin, plus claires, hein, plus lumineuses. Et il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ce que nous, on veut sur notre lustre. Bon, déjà ça, bon, ça m'a un petit peu embêté. Donc, Eric, il dit, c'est pas grave, je vais les commander, t'inquiète pas. Bon, ok. Vous savez bien qu'on ne sort pas sans rien chez Action. Quand on y rentre, on ne peut pas sortir sans rien. Ce n'est pas possible. Donc, en plus que moi, je cherchais les nouveautés et que je les ai trouvées. D'ailleurs, je vous ai mis en ligne mon méga, méga All Action. N'hésitez pas à aller le voir. Allez-y, allez-y, il y a des pépitas et de la nouveauté, franchement. C'est du level Action et les hein, voilà. D'ailleurs, j'ai même vu les réseaux, c'est terrible. Hein. On est influencé, c'est un truc de fou. Hein. Mais bon, hein. Donc j'ai vu aussi BM et Primark. Ils font de belles choses pour les fêtes de Noël. Là, en décoration, je parle. Ah, bon, on ira faire un petit tour plus tard. Hein, parce que là, Action, il m'a bien eu ce mois-ci quand même. Hein. Donc Sandrine, elle va ralentir un petit peu. Sinon, sa paye va y passer. Hein. Ah bah. Donc, et on n'a pas que ça à penser quand même. Hein. Bref, donc, on a été se balader, Eric et moi. Et puis, on a été dans... Enfin, moi, j'étais dans deux actions ce matin. Ouais. Et on a été dans deux cet après-midi. Donc, ce matin, je me suis levée à 8h. Donc, franchement, pas mal, hein. Pas mal. Je pensais même qu'il était plus tôt. Et quand j'ai regardé le réveil, j'ai dit, oh, 8h, oh, bah, pas mal. Bon, bah, Sandrine, il faut te lever quand même. Donc, je me suis levée. Et puis, il caillait. Franchement, il faisait très, très froid. J'avais 7 degrés dehors. Et dans la maison, il faisait 19, je crois. Si je me trompe pas, je sais plus. De toute façon, je vous ai mis la photo au début. Hein. J'ai pris en photo les températures. Donc, j'ai activé les radiateurs hein, parce qu'il caillait quand même. Hein. Et puis, Eric s'est levé après parce qu'il devait aller au garage pour la voiture de Julie. Parce que Julie, elle a son entretien à faire. Donc, il a été prendre rendez-vous. Donc, de ça, il est revenu parce qu'il a été avec Julie. Il était un peu dans les 9h30, 10h à peu près. Donc, on a pris notre café et tout, mais on n'a rien déjeuné ce matin. Eric n'avait pas envie et moi, j'avais pas faim. Étonnant. Étonnant que Sandrine, elle n'avait pas faim.
Mais attendez, ça dure pas. Donc, Eric après est revenu du garage et il a allumé la cheminée. Ouais, parce que c'est un peu frisqué quand même. Hein. Parce que nous, on a le soleil derrière, mais là devant, le matin, on a l'ombre. Donc, il caillait quand même. Oh, je suis désolée, j'ai mon nez qui gratte. Donc, Eric a allumé la cheminée. Oh, ça faisait du bien, je vous jure. Même Mathieu était à la chaise. Sur la chaise. Ensuite, après, Mathieu il a voulu sortir. Donc, on a rentré Réglisse et Pistache. Et comme je vous dis à chaque fois, Réglisse fait son petit tour de la table. Pistache, lui, il fait toutes les pièces. Hein. Lui, il va à la salle de bain, il va au salon, il fait toutes les pièces. Et ils veulent sortir. Voilà. J'ai dit, tu veux pas rester un petit peu ici? Profites-en, Mathieu est devant. Oui, parce que quand je suis là, les trois dans la maison, c'est pas possible. Parce que c'est des jaloux. C'est que des mâles que j'ai, moi. Donc, ils sont jaloux l'un envers l'autre sur moi. Donc, je peux pas. Même si Eric est là, j'ai pas envie que ça finisse en bagarre. Eh ben, il a pas voulu rester. Du coup, je lui ai donné sa gourmandise. Il était content, hein. Je sais pas si c'est les médicaments qui lui font ça, son traitement à Réglisse. Mais il mange. Mais il mange. Comme un ogre. Vous verrez tout ce qu'il mange. Et il se fait comprendre parce qu'il n'arrête pas d'aboyer. C'est terrible, hein. Sa gourmandise, il mange en deux. On lui a donné un gros morceau de cake. Il avale en trois. Non, mais c'est fou. Et elle nous l'avait dit, en fait, hein, tout au début. C'était pour lui donner de l'appétit. Mais là, c'est plus de l'appétit, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais il va nous ruiner, ce chien. Bon, on préfère le voir comme ça. C'est clair et net, hein. Ah là là, si vous saviez, hein. Parce qu'on a bien pleuré. Hein. Bref, du coup, je dis, tu veux pas rester un petit peu dans la maison? Il fait froid hein, dehors. Non, parce que le soleil est devant, est derrière, le matin. Et sur la terrasse en bois, ça chauffe. Et Réglisse se met dessus. Ou sinon, on a un genre de balancelle, vous savez, que j'avais acheté à Eric il y a très très longtemps. Hein. Mais ça fait un peu hamac de personnes. Et bien, les chiens se mettent dessus. Oui, c'est leur place, au soleil, tous les deux. Donc, de toute façon, on le garde pour eux, hein. Maintenant, il est mort, hein. Enfin, il est mort. Non, il n'est pas mort, mais sinon, il faudrait un gros coup de nettoyage, quoi. Déjà, la toiture est toute verte, parce qu'il y a en dessous des arbres. Bon, du coup, c'est pour régler ça. Il est bien dessus, et ça le fait balancer un petit peu. Non, mais vous y croyez, vous, hein? Vous croyez, non? Vous croyez où, vous? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, vous m'avez compris quand même. Des fois, on bafouille, hein. Mais bon, c'est parce qu'on veut pas, on veut parler vite. Donc, voilà, tout ça. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait après? Ah, Eric devait partir à la banque. Ouais, il a été à la banque. Et moi, du coup, je suis partie chez Action. Et comme le Action était pas loin de chez Amélie, j'envoie un message à Eric et je dis, écoute, moi, je vais passer chez Amélie. Si tu veux venir, viens. Parce qu'il avait pris la voiture à Julie. Et du coup, ils sont venus tous les deux, chez Amélie, et puis moi aussi. Donc voilà. Et Amélie, en fait, elle est en train de se préparer parce qu'elle partait à un mariage. Bon, on le savait. Hein. Donc elle m'a donné des piments. Et elle m'a dit, maman, surtout. Alors, j'aurais dû vous le prendre en photo, mais je vous le prendrai en photo lundi. Parce que vous savez qu'Amélie part en vacances demain. Elle part 3 semaines. Ouais. Elle a de la chance. Enfin, elle a de la chance. Non, c'est pas qu'elle a de la chance. C'est que moi aussi, je suis partie en vacances. Mais je veux dire, aussi loin, elle a de la chance. Donc, demain, je la ramène à l'aéroport à Paris. Et du coup, elle m'a fait ce que je dois faire chez elle. Voilà. Donc, je dis, pourquoi tu me notes tout ça? Tu me prends pour une bébête ou quoi? Non, maman, mais c'est pour pas que tu oublies. Ah, d'accord. J'ai rien dit, hein. Mais je vous le ferai montrer, vous verrez le mot qu'elle a fait. Et voilà, du coup, elle se prépare et tout. Et puis, c'est une cousine à Quentin, je crois. Mais elle va pas rentrer tard, hein, parce que demain, on se lève très très tôt. On se lève à 5h30. 5h ou 5h30 du matin, hein. Bah oui, pas du soir, hein.
Ah oui, nous on dort pas le soir. Ouais, ça va piquer demain. Parce que le dimanche, on n'a pas l'habitude. Hein. On a l'habitude la semaine. Mais le dimanche, donc je dis à Eric, surtout, on va aller coucher tôt ce soir. Hein. On dit toujours ça, hein, mais... Hein. Donc, et puis du coup, elle me disait, maman, oublie pas de cueillir les tomates et tout, parce qu'elle a encore des belles tomates. Hein. Donc voilà. De là, on est rentré, moi et Eric, parce que Julie, elle a repris sa voiture. Elle est partie sur Noyelles-Godault, au champ. Elle est partie se balader. Elle voulait une robe parce que Julie part en vacances. Pardon. Julie part en vacances lundi. Oui, elle repart en vacances, Julie. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour les destinations de rêve. Franchement. Franchement, hein, j'espère un jour je le ferai aussi. Mais là, avec les dialyses, aussi loin, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, hein. Mais j'ai trop peur, en fait. Voilà. Donc, je préfère rester dans mon environnement et mes séances. Voilà. Bref, donc, voilà. Amélie part demain. Julie part lundi. Pouf, ça va nous faire des vacances. Enfin, pas tant que ça. Parce que je dois m'occuper des chats de Amélie. Bah oui, pendant 3 semaines. Voilà. Bon, bref. Et du coup, pour dire tout ça, que après Julie, elle est partie se balader. Moi et Eric, on est rentrés à la maison. On mourait de faim. Ah oui, on avait très très faim. Comme on n'a pas déjeuné ce matin. Il était presque 13h hein, quand on est rentré. Donc 13h, on rentre à la maison. Moi, je me suis fait des gnocchis. Et Eric a mangé le reste de cassoulet. Oui, parce que hier, le menu a changé. Hier, c'était normalement les truites que je devais faire. Vous savez, le poisson là, que j'ai pris chez Grand Frais. Bah oui, vous savez ce que c'est des truites. Hein. Truiteux. Pas des truies, hein, des truites. Oui, parce que des fois, avec l'accent. Hein. Donc, oui, parce que hier, on avait envie de... Enfin, moi, j'avais envie de poisson, en fait. Eric, il dit, oh non, pas aujourd'hui, tu le feras demain. Ah, je dis, ouais, mais je dis, toi, tu veux manger quoi? Il dit, j'ai pas trop faim. Bon, ben, je dis, je vais pas faire le poisson que pour moi. Hein. Donc, j'ai fait ouverte une boîte de cassoulet. Donc, on a mangé du cassoulet. Et du coup, la truite a été reportée à ce soir. Du coup, je dis à Julie, tu manges à la maison ce soir? Elle me dit, oui, oui. Mais elle dit, moi, je ne mange pas de poisson. Elle dit, maman, j'en ai tellement mangé en vacances que là, je sature. Bon, d'accord, ok. Du coup, elle va manger autre chose. Du coup, j'ai 4 truites. On ne va pas manger les 4. Du coup, j'ai dit à Vincent qu'il vient manger à la maison ce soir. Donc, ce soir, c'est truite, pommes de terre, ratatouille. Donc, c'est pour ça que Eric a fini le cassoulet ce midi, à 13h, quoi. Et ensuite, de là, Eric a voulu repartir chez Action. Donc, oui, Eric a voulu repartir chez Action, premièrement pour faire un petit tour, et puis pour les ampoules, hein, comme je vous disais, pour mon lustre, parce que mes ampoules sont jaunes et moi, je veux des blanches. Et j'ai l'impression qu'on ne voit rien, en fait, des jaunes. Et ça ne va pas. Du coup, on n'a pas trouvé. Et moi, j'ai trouvé des petites choses, hein, bien sapatoches. Et du coup, je dis à Eric, bah, écoute, viens, on va dans une autre action plus loin. Franchement, on a fait des kilomètres, mais on s'en fout. Hein, on se balade. Et j'ai dit, peut-être que là-bas, tu vas trouver les ampoules. Et non, on n'a pas trouvé. Du coup, de là, ben après on est rentré à la maison. On a pris le petit café, le petit gâteau. Je vous ai tourné le méga haul Action. Hein, voilà. N'hésitez pas à aller le voir, il est en ligne déjà. Et puis, Eric avait un peu mal à la tête. Je suis désolée, hein, mais j'ai mal à la gorge en ce moment. Eric avait un peu mal à la tête. Du coup, il s'est allongé dans le canapé et il s'est endormi. C'est pour ça que je vlogue dans la voiture. Bah oui, parce que je ne veux pas le réveiller. Parce que moi, déjà, quand je parle fort. Voilà. Et surtout, des fois, dans la maison, ça résonne. Donc, je ne veux pas l'embêter. Mais il n'y a pas que ça. Hein, que je... C'est pas parce que... Enfin, je voulais pas commencer le vlog dans la voiture, mais je reviens de chez Match. Tout simplement parce que
j'ai voulu aller me chercher des Coca-Cola. Donc je les ai rentrés à la maison vite fait pour les mettre au frais. Comme ça, quand je vais aller boire, il sera frais. Et j'avais envie de Coca-Cola. Et le week-end, j'aime bien boire un Coca-Cola. Et du coup, j'ai pris du fromage. Le Tom des Pyrénées. C'était 2,21€, j'ai payé. 13,50€ le kilo. Donc, parce qu'on n'a plus beaucoup de fromage. Et puis nous on est la team fromage. Je sais pas si vous aussi, hein, mais nous, la team fromage, il nous faut... Franchement, je vais faire une vidéo sur ce qu'on est team et ce qu'on n'est pas team. Hein? Team fromage, team fruits, team bonbons, team... Bah, moi, vous savez, hein? Ici, j'ai pris Tom le Montagnou. Je ne connais pas, c'est 31% de matière grasse au lait thermisé de vache. Je ne connais pas du tout ça. Ça, c'était 14,95€ le kilo. Voilà. Ensuite, il y avait la promotion sur les côtes de porc. Donc, j'en ai pris une petite barquette. Enfin, il y en a 4 à l'intérieur. Donc, pour moi, Eric, c'est suffisant. Hein. C'était 5,99€ le kilo. Donc, ça va, c'est pas cher. Hein. Donc, j'ai payé 3,81€ pour les 4. Et j'ai pris... des bonbons. Bah oui, parce que je voulais pas aller jusqu'à Intermarché chercher des bonbons, vous savez, en vrac là. J'avais la flemme en fait. Donc j'ai pris un paquet de bonbons Haribo Polka. Alors j'en achète souvent des comme ça. Enfin souvent. En ce moment non, parce que je prends en vrac. Mais j'aime bien parce qu'il y a un peu de tout. Mais regardez les réglisses, comment ils ont diminué. Franchement, ils sont riquiqui comme ça. C'est dingue quand même. Hein. Et j'ai pris les Haribo Tutti Candy. Voilà. Ceux-là, je les aime bien, hein, mais c'est fort sucré, ceux-là. Comme tous les bonbons, quoi. Mais on s'en fiche, on se fait plaisir. Vous savez que moi, je suis la team bonbon. Vous êtes la team quoi, vous? Hein? Donc, voilà, les amis. C'est pour ça que je suis en voiture, là. Je viens de rentrer, là. Et j'ai mis en charge la voiture pour demain, hein. Parce que, bah, il faut aller jusqu'à Paris, quand même, hein. Il n'y a que pour le retour, on sera obligé de charger la voiture. Hein. Donc, quand c'est comme ça, on va manger un Burger King ou un petit truc comme ça. Et en même temps, on charge la voiture comme ça. La voiture charge tranquillement. Et dommage que c'est un dimanche. Parce que j'aurais bien été chez Action à Paris, moi. Mais c'est pas ouvert le dimanche, je ne pense pas. Il faudrait que je regarde ça. Mais aller à Action dans Paris, waouh, waouh, waouh. Bref, non, on verra bien. De toute façon, on va rester, je ne sais pas combien de temps, mais moi, bon, je pense pas toute la journée quand même. Hein. Je pense pas toute la journée. Hein. Bon, on verra bien. Sinon, je suis contente parce que j'ai mis du linge dehors. J'ai terminé tout le linge de Julie. Ça, c'est cool. Et du coup, elle a prêté des vêtements pour Amélie pour être partie en vacances. Il se prête des fringues, hein, comme ça. Et moi, j'ai lavé tout le linge de Vincent. Vincent avait 2 sacs de Action. Enfin, vous savez, les sacs comme ça de chez Action. Vincent en avait 2. Du coup, j'ai commencé hier soir et j'ai terminé ce matin. J'ai tout mis devant, là. Vous avez vu sur les Tancarville, je vous ai fait montrer. C'est que le linge de Vincent. Donc, je suis contente. Ça va être sec pour ce soir. Là où je suis un peu moins contente... c'est le repassage. Parce que Vincent met que des t-shirts. Vincent n'est pas très pull. Hein. Vincent n'est pas la team pull. Hein. Vincent est la team t-shirt. Suite, enfin non. T-shirt et polo. Voilà. Mais plus t-shirt quand même. Hein. Donc, il faut repasser tout ça. Hein. Donc, j'aurai du repassage. Mais ça, je lui ferai mardi. Parce que lundi, retour de séance. Le lundi. C'est pas possible, je serai fatiguée. Donc voilà, je devais faire mes draps aujourd'hui aussi. J'ai pas fait. Les draps à Julie, je vais lui faire la semaine prochaine aussi. Et puis les miens aussi, on verra bien. Je les ferai peut-être mardi aussi. Comme ça, mardi, je fais le repassage. Mardi, je lave les draps. Et je lave les tapis de bas, comme tous les mardis. Donc je ferai peut-être les 3 lessives là. Les 3 lessives. N'importe quoi. Les 2 lessives, voilà.
Enfin, et puis peut-être qu'il y aura d'autres lessives, je ne sais pas. Voilà les amis. Donc après, ben là, je vais les préparer le repas. Je vais préparer les truites. Et encore, je disais à Eric, oui, demain, je fais les cuisses de patates. Hein. Ben, il me dit, demain, on n'est pas là. Ah oui, c'est vrai. Bon, peut-être que je le ferai en rentrant. Tout dépend à quelle heure on va rentrer. Mais bon, on ne va pas rentrer non plus à 20h, quoi. Je ne vais pas passer ma journée à Paris, quoi. Non, je pense pas. Là, il y a du monde à la braderie de Lille. C'est la grande braderie de Lille aujourd'hui. Et on n'a pas voulu y aller, nous. Non, il y a trop de monde. Et puis, marcher. Moi, je n'aime pas marcher. Non, c'est pas que j'aime pas marcher, c'est que... Si, j'aime pas marcher. Non, franchement, ça... Enfin, j'aime pas marcher. Sauf... Ça dépend où je suis. Si je suis en vacances, si je dois aller visiter quelque chose, quoique, hein, faut pas que je dise ça parce que pour aller faire les magasins, je marche. Bref. Non, mais. Non, c'est avant que j'aimais pas marcher. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'étais vite fatiguée. J'étais vraiment en surpoids. Hein. Je dépassais quand même les 80 kilos, hein, faut le savoir, ça. Hein. Et oui, j'ai pas honte de le dire. Hein. Et j'ai quand même perdu 13 kilos. Hein. Eh ouais, les amis, pendant le Covid, j'ai perdu 13 kilos. Les gens ont grossi pendant le Covid et moi, j'ai fait le contraire. Allez savoir comment, je ne sais pas, parce que je ne faisais même pas régime. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'allais à la salle de sport. Et oui, les amis, Sandrine allait à la salle de sport. Et justement, j'en parlais là à Eric, j'aimerais bien y retourner à la salle de sport. J'aimerais bien. Parce que, bah, c'est pas tout, mais on vieillit. On a mal partout et comme moi je marche pas beaucoup, et ben faudrait que je vais à la salle de sport pour faire un petit peu d'exercice. Voilà. Mais après, moi j'ai la console Wii. Je sais pas si vous la connaissez cette console et on peut faire du sport dessus. Donc voilà, je vais y réfléchir à tout ça et à suivre, hein, les amis, à suivre. Donc voilà, et puis, oh, il y a un pigeon sur ma toiture. Non, c'est pas un pigeon, une tourterelle ça. Bah oui, c'est une tourterelle. Elle est dans ma gouttière, entre ma gouttière et ma toiture. Bah alors, Fifi. Je l'entends, elle fait... Bon, voilà, des amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Eh ben, c'est tout. Hein. Du coup, là, je vais rentrer. Je vais mettre la viande en congélation. Parce que c'est pas pour... c'est pas pour maintenant. Ça sera peut-être pour la fin de semaine. Ouais. Oui. C'est pour la fin de semaine. Donc, je vais les congeler. Et puis, là, Eric dort encore. Sinon, du coup, j'ai mis sorti Mathieu. Il est dehors, Mathieu. Aussi. Là, j'ai plus de linge à laver, donc ça, c'est plutôt cool. Ma salle de bain est nickel. J'aurais bien voulu prendre un bain ce soir. Je vais voir. Si je suis pas trop fatiguée après le repas, soit que je prends une douche ou un bain. Bon, je verrai bien. Ou à moins que je le prends demain soir en rentrant. Parce que là, mes cheveux, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, ils sont pas bien placés. Je les ai pas lavés ce matin. J'ai fait qu'une queue parce que je les ai lavés hier soir. Je sens que je vais avoir du poids pour lundi, les amis. Parce que j'ai une soif. Pourtant, je mange pas salé. Hein. Je ne sais pas si c'est le temps. Mais qu'est-ce que je bois? Et c'est pas ça. Mais franchement, j'avais acheté du Perrier là, au citron. Et ben, je disais à Eric, moi, quand je bois du Perrier... Ben, j'ai encore soif. Et lui, il me dit, ben oui, c'est normal, il y a du sel dans le Perrier. Et c'est vrai, hein. Parce que quand je bois le Perrier, là, j'ai bu une bouteille complète tout à l'heure de 500 ml. Et ben, je crève de soif. C'est pour ça que là, j'ai repris ma petite bouteille d'eau pour la voiture. Et le coca, ce sera pour ce soir, en mangeant. J'en avais envie. On ne peut pas rester sans boire. C'est pas possible, hein. C'est difficile, les amis. Hein. Je vous jure que nous, on peut pas boire, en fait. Hein. Parce que, bah, comme je vous ai déjà expliqué, hein, moi, je fais pas pipi. Hein.
Donc tout l'eau que je bois, bah moi il est dans mon cœur, hein. Donc si je bois 1,5 litre, ça me fait 1,5 kg, hein, pour une journée. Hein. Donc c'est pas possible. Je suis obligée de. Et puis en plus demain je vais à Paris. Bon, c'est pas grave en soi. Au pire, si lundi j'ai du poids, je mets pas tout, hein, j'ai déjà expliqué, hein. Je mets ce que je peux et mercredi je rattrape, voilà. Et même si mercredi je rattrape pas, j'essaye vendredi. Mais c'est très rare, hein, que ça se passe comme ça, hein. Mais là, il y a des moments où on craque, hein. On craque. Ben voilà, moi j'ai soif, quoi. Je vais peut-être dire comme la comment c'est la diététicienne. Va brosser tes dents, ça va te rafraîchir. Boum. N'importe quoi. Bon allez, mes amis, je vais y aller parce que la chaîne du froid avec la viande, c'est pas très bon. Quoique, il fait frais dans la voiture. Il fait frais. Donc ça va. Ça va, ça va. Je vais manger un bonbon. Ouais, je vais manger un petit bonbon. Dommage que vous n'êtes pas là parce que j'aurais bien partagé avec vous. Hein. Qu'est-ce que vous aimez comme bonbon, vous, dans les polkas? Moi, j'aime bien. Attendez, je vais vous montrer. Attention, les oreilles. Ça fait du bruit avec le papier. Attention, attention. Voilà. Alors, moi, j'aime bien. Attendez. Je vais essayer de prendre un peu de tout. Bon, j'aime bien tout, en fait. J'aime bien ça. Les réglisses comme ça. Ça, j'aime bien aussi. J'aime bien les petites choses comme ça en gomme. Voilà. Tout ce qui est truc blanc comme ça, j'aime bien, mais pas trop. Les réglisses comme ça, j'aime aussi beaucoup. Et le que j'aime bien aussi, c'est. Je suis désolée pour le bruit, hein, mais j'essaye de le trouver. Ça, j'aime bien. Oh, ça, c'est trop bon, là. Allez, je vais manger les deux, là. D'habitude, il y a des petites tutus dedans. Mais là, il n'y en a pas. Les bonbons, c'est la vie, les amis. C'est la vie. Oh là, c'est trop bon. Oui, comment voulez-vous que j'ai pas soif? Bah ouais, je sais. On ne peut pas tous priver non plus. Hein. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Moi, je me sens bien quand je mange un bonbon. C'est mes vitamines, ça. C'est sûr que j'en profite. Hein. Pour les personnes qui ont du diabète et tout, je vous crache dessus. Pardon. Pardon, pardon. Je compatis, hein. Franchement, je sais pas ce que c'est, hein, mais... Je me doute bien que ça ne doit pas être facile tous les jours. Parce que c'est vrai qu'ils font des belles choses, des bonnes choses. Bon, le corps a besoin de sucre, mais c'est vrai que... Donc c'est pour ça, les amis, j'en profite. C'est vrai que si je ferais de la diabète, moi qui aime les bonbons, je serais malheureuse. Oui. Mais je m'adapterai, hein, comme tout, hein. Et puis comme tout le monde, hein. Puis c'est bien maintenant, ils font des bonbons sans sucre et tout. Donc voilà. Mais bon, il faut. Tant qu'on peut, il faut le faire. Voilà, comme je dis, voilà, les personnes diabétiques, ils ne peuvent pas manger tout ce qui est sucré, mais ils peuvent boire de l'eau quand ils veulent. Que moi, c'est le contraire. Je ne peux pas boire de l'eau quand je veux, mais des bonbons, je peux en manger quand je veux. Vous voyez? C'est à peu près la même chose, hein. Donc, il y en a, ils me disent, oui, mais c'est pas bon pour ta santé. Arrêtez. Arrêtez, hein. Vous êtes médecin, vous... Enfin, je sais pas, mais bon. Bref. Tout à l'heure, quand on était chez Action, il y avait deux jeunes garçons. Ils étaient grands, hein. Ils étaient plus grands que moi. Hein. Ils faisaient 1,80 m. Moi, j'avais peut-être la vingtaine. Hein. Ils avaient acheté quoi? Vous avez acheté deux articles, je crois que c'était pour leur voiture. Et le gars,
avait une bouteille de Coca-Cola dans ses mains. Au début, il l'avait mis sur le tapis. Après, il l'a pris et l'a caché enfin, dans sa main, quoi. Et il est passé, et nous, on était juste derrière. Bon, on n'a rien dit. Hein. Ça ne me regarde pas. Et puis, si ça peut leur faire plaisir, eh ben, qu'ils font. Hein. Et puis, Mais je crois que la caissière, elle l'a vu, parce qu'Eric m'a dit, si la caissière, elle l'a vu, mais elle n'a rien dit. Bon. Voilà. C'est pas moi qui va les dénoncer. Hein. Pas du tout. Hein. Sûrement pas. Ça ne me regarde pas, et puis ça va m'avancer, quoi. Hein? Si la caissière, elle l'aurait bien vu, et puis qu'elle aurait dit quelque chose, ok, c'est son boulot à elle. Mais moi, j'ai rien à voir. Hein. Donc, c'est tout. Bon. Je suis désolée pour les bruits de bouche. Hein. Je sais pas si je fais du bruit, mais... C'est le dernier, ça y est. Voilà, les amis. Du coup, là, moi, je vais rentrer. Je vais mettre tout ça en place. Je vais ranger tout ça. Les bonbons, je vais mettre dans la bonbonnière. Je crois que je vais regarder la télé. Jusqu'au temps que Eric se lève un petit peu après. Et puis il va sûrement passer un petit coup d'aspirateur dans la voiture. C'est pas très sale, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et là, c'est bientôt l'anniversaire de Vincent. Le 19 septembre, la semaine prochaine. Alors franchement, on n'a même pas encore été acheter son cadeau. Je sais même pas ce qu'il veut et... Je sais pas quoi lui prendre. Franchement, aucune idée. Je sais qu'il... Ah si, il nous avait parlé d'un jeu qui doit sortir en octobre ou novembre, je sais plus. Donc, il voudrait peut-être l'avoir, je pense. Donc, on verra. On verra ce qu'on va lui prendre. Sinon, on lui donnera de l'argent. Hein. Il s'achètera ce qu'il veut. Voilà. Les filles, du coup, vont lui payer son cadeau quand il rentrera. Quand eux, ils rentreront, parce qu'ils ne seront pas là, du coup, je dirais qu'on se fera peut-être un resto, nous trois, quoi. Moi, Vincent et puis Eric, hein, pour son anniversaire. Et puis, quand les filles seront là, je ferai un repas à la maison. Voilà. Donc, oui, bientôt l'anniversaire de Vincent, le 19 septembre. Vincent va avoir 26 ans. 26 ans. Ouais, ça grandit vite. Hein. Et moi, c'est le mois d'octobre, le 12 octobre. Et moi, j'aurai... Je me rappelle plus. Non, moi je le dis. Hein. Moi, on fait l'âge qu'on... Enfin, de toute façon, on a l'âge qu'on a. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Je vais avoir 48 ans, moi. 48 piges. Ouais, le 12 octobre, j'ai 48 ans. Ouais. Alors du coup, Julie, elle dit, maman, toi, tu veux quoi comme cadeau? Ah. Alors moi, je vais faire une liste. Hein, et puis après, vous choisissez. Alors moi, je voudrais avoir une mijoteuse parce que la mienne, elle est capoute. On l'a jetée. Je suis même dégoûtée parce que je l'aimais trop bien, hein, celle de Lidl. Alors Eric, il me dit, t'inquiète pas, Lidl, ils vont en refaire, ça va être l'hiver. Les petits trucs comme ça pour mijoter, ça va arriver. Ben, j'espère, allez Lidl, dépêchez-vous là. Ramenez les mijoteuses. Donc je lui disais, je veux bien une mijoteuse sur Amazon. J'en ai vu une belle. Et en fait, c'est parce que la mijoteuse, vous pouvez enlever le socle et ça va sur le gaz, vous savez. Donc ça, c'est bien. Et quand vous voulez faire roussir d'abord vos oignons, parce que la mijoteuse, les oignons ne roussissent pas. Hein. Donc, je le ferai sur le gaz. Donc ça, le bissel, parce que le bissel, ça fait des années que je le veux. Et d'ailleurs, je disais à Eric, ouais, si par exemple, enfin, non, je ne l'ai pas dit à Eric, mais je me disais, si je ne l'ai pas pour mon anniversaire, eh ben, je vais me l'acheter quand même, parce que ben, il me le faut, hein. Parce que bah, on nettoie le camping-car, les tissus, le canapé, enfin, les matelas, enfin tout quoi. Donc j'aimerais bien en avoir un. Hein. Et puis moi je vais me faire une petite commande là pour les vêtements. Alors s'ils veulent participer, bah pourquoi pas. Hein. Voilà les amis. Voilà. Et après,
Ça sera les listes à faire pour Noël. Voilà, ça va vite arriver. Oh là 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 là. Ouais. Moi, j'adore les fêtes de Noël. Ouais, j'adore ça. Et vous vous rendez pas compte, ça fait 35 minutes que je papote. Quelle pipelette, Sandrine. Oh là là. Bon, allez, les amis. Je vais les ranger tout ça. Oh, j'ai mon oreille qui gratte maintenant. Et puis, je vais les boire une petite goutte de coca. Mais d'abord, je vais laver mes mains parce que, oui, à chaque fois que je reviens à des courses, je mets du gel sur mes mains. Et quand je rentre à la maison, avant de toucher quelque chose, je lave mes mains. Ça a toujours été comme ça. Et Eric fait la même chose. Hein. Enfin, on fait tous la même chose. Voilà, avant de toucher des aliments ou faire enfin, ce qu'on veut, quoi. Eh ben, non, il faut laver ses mains d'abord. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais laver mes mains. Et puis, ben, Eric, si Eric fait encore dodo, eh ben, je vais me mettre dans le canapé avec lui. À côté, hein. Pas sur lui, hein. Ah non, il fait dodo. Et puis, je vais me mettre un petit film. Voilà. Avec ma petite bouteille de coca. Et puis, je vais me prendre un petit chocolat. Oui, un petit chocolat Malteser, les petites bouchées là. Regardez mon All Action, je l'ai acheté dedans. Enfin, je l'ai acheté chez Action. Et ça doit être trop trop bon, franchement. C'est un méga, méga, méga All Action. Hein. Je vous encourage à aller le voir parce que il y a 40 minutes de vidéo presque. Ouais. C'est un méga All Action. C'est le premier méga All Action que je fais. Faut le faire quand même. Hein. Mais bon. Allez les amis, j'y vais. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends. Il est 20h30. Je vous reprends avec le linge qui est en train de sécher. Hein. Il est 20h30, on vient de terminer de manger, on a mangé très tard aujourd'hui. Voilà, c'était très bon. Je me suis régalée avec les pommes de terre, la sauce beurre citron, la truite. Alors, elles étaient vraiment petites, hein. Il n'y avait pas grand-chose à manger dedans, mais pour moi, c'était suffisant. Hein. Julie, elle avait fait des crevettes paprika au four, ça c'était l'entrée. Et puis voilà, quoi, c'est tout, c'est tout. Vincent vient d'arriver. Il est en retard pour manger, donc il va manger tout seul. Parce que nous, on a terminé. Du coup, ben là, il va se servir. Et puis, voilà. Du coup, Vincent est là. Et je voulais vous faire montrer le t-shirt que Julie lui a offert de ses vacances. Donc, Zanzibar. C'est un maillot Adidas de là-bas, hein, du club de foot, je pense, hein, avec le drapeau Je suis un Congolais. Zanzibar, la Tanzanie, quoi. Voilà, les amis, et puis bah, je vais vous faire montrer. Il danse. Je vais vous faire montrer ce que Julie m'a offert. Donc, elle m'a offert un set de couverts comme ça, en bois, très joli, hein, avec une girafe. C'est très 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 beau. Je ne sais pas encore si je vais l'installer dans la cuisine, mais bien sûr, je ne pense pas que je vais m'en servir, je ne sais pas. Parce que j'ai peur que trop que ça s'abîme. J'aurais bien voulu que ça soit écrit Zanzibar, mais c'est pas écrit. Bon, en soi, ce n'est pas très grave, hein, mais c'est vraiment très très beau. Comment on dit la savane. Ensuite, elle m'a offert un porte-monnaie Zanzibar. Voilà. Avec le petit truc là pour mettre un petit porte-clés si on a envie. Voilà. Bon, c'est pas très grand à l'intérieur, hein, mais pas très grand. Hein. Et pour le peu de liquide que j'ai sur moi, ça sera suffisant. Voilà. Ensuite, elle m'a pris à manier. Hein, voilà, comme d'habitude. Hein, moi, les maniers, vous savez, j'adore ça. Hein. Et là, elle m'a pris en forme de timbre.
Ah, elle est magnifique. Hein. Jumbo Jumbo. Tanzanie. Très joli. J'aime bien tous les petits détails là, en forme de timbre. C'est très 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 beau. Voilà pour les petits cadeaux qu'elle m'a rapportés. Pour son papa, elle a ramené, bon on l'a déjà ouvert bien évidemment, du café. Je pense que j'ai les images, je vous mettrai si j'y pense, hein, si j'oublie pas. Parce qu'en fait ici c'est écrit pas en français, ni ici non plus. Du coup moi je l'ai traduit. Et j'ai fait une capture d'écran et du coup bah, j'essayerai de vous le mettre. Et pour que vous sachiez ce que ça veut dire. Voilà, alors donc c'est du café en grains. Et ça sent très 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 bon, mais très très fort aussi. Moi, vous savez que j'ai un nez assez développé. Hein. Donc moi, rien que je le mets là déjà, ça sent très fort. Eric, lui, est obligé de mettre son nez à l'intérieur pour bien le sentir. Et moi, je peux pas, sinon je m'étouffe. Donc elle lui a acheté ça. Et elle lui a offert un bracelet genre style comment ça s'appelle ça des bracelets brésiliens à peu près hein, je vous dis je vous le ferai montrer là il est parti se laver donc je vous le ferai montrer soit tout à l'heure ou soit demain voilà. Et pour Amélie elle a acheté une belle trousse de maquillage franchement elle est c'est trop trop beau. Voilà les amis pour les petits cadeaux. Et là j'attends qu'elle me ramène le magnet du Brésil. J'ai hâte. Puis qu'elle me ramène d'autres choses. Voilà voilà les amis. Bon bah là du coup on va attendre que Vincent ait terminé de manger. Pour après faire la vaisselle. Et puis après bah, moi je vais aller à la douche aussi. Je vais laver mes cheveux. Et puis après, repos, parce que demain, on se lève très tôt. Comme je vous ai dit, on ramène Amélie à l'aéroport. Donc, on va se lever très tôt. Et puis après, on va profiter un petit peu de la journée, hein, bien sûr. Et puis, là, j'ai rentré le linge, parce que là, il fait noir déjà. Donc, on a rentré le linge. Je suis contente, parce qu'il a bien séché. Donc, ça, c'est une bonne chose. Oh, voilà, les amis. Bon voilà les amis, son bracelet. J'imagine qu'il y a des arêtes en plus. C'est les couleurs de là-bas, ouais. Tanzanie. Du drapeau, hein, je crois. C'est ça, Jules. Ouais. Voilà son petit bracelet, je la pète un petit peu. Hein. On est décombolé. Allez là. Donc voilà les amis, pour les petits cadeaux. On est très contents. Vincent, il a son t-shirt qui lui va super bien. Donc il l'a mis aujourd'hui, hein. Bon, du coup, voilà, les amis, les petits cadeaux. Et puis, on attend les prochains cadeaux pour les prochaines vacances. Là, on en aura deux à midi et on en aura encore deux Julie. Donc, voilà, les amis. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog parce que tout à l'heure, je vous ai quand même bien papoté. Hein. Je vous fais de gros bisous. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon samedi. Moi, c'était bien. Et puis... demain est un autre jour, donc on se retrouve demain pour un prochain vlog avec moi. Je vous fais de gros bisous et puis surtout prenez soin de vous, c'est très important. À demain, ciao.